Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir, bonjour. N'importe quoi trouver dans le monde là, je vous dis encore une fois, c'est un plaisir pour nous rejoindre sur Gros Média ça. Donc chaque jour, puis plus nous cherchons information pour quel que soit côté où yé. Dans le monde là, quel que soit côté information, car on connaît déjà pendant la période ça, nous avons une série et un reportage spécial en ce qui concerne le parc sportif. Je vous dis en nous Gressier, surtout dans le parc Saint-Jean. Alors, parc ça nous connaît qu'il y a des histoires et surtout des 73 à nos jours. Alors, nous pas finalement permettre de connaître et nous pas assez de temps pour nous permettre de vivre de façon explicative de et comment ça a été pour parc ça. Mais nous avons quelques informations que nous pourrons permettre de connaître. Alors, parc Saint-Jean, c'est un parc dans le temps, d'après information que nous tirons dans la bouche. En pile jeune dans zone qui espace ça oui on était connu jouer football là dedans mais il pas vraiment gagné bonne manière ou bien il pas arrière une façon pour jeune yo fonctionner. Alors tout à l'heure nous va laisser prendre impression des trois joueurs des trois jeunes footballeurs dans zone ça mais quittez nous ba ou quelques petites informations qui vraiment important pour vous même et par ça et pratiquement si on pas qui presque réglementaire ou bien un pack qui pas fini réglementaire qui c'est de 105 par 64. Alors 105 en longueur, 64 en largeur et par ça qui était finalement inauguré en décembre 2012. Faut que nous dit ou en pile moun yo réalisé que espace là donc alors il n'a souligné pour vous ça c'est il fait partie du parc alors parc qui pas fini. Donc nous pral permettre tout et connaître et vivre ensemble et comment ça y est surtout dans Gressier dans parc Saint-Jean. Alors parc sportif ça yo gagné l'état haïtien fait des investissements là-dedans. On parle d'investissement, c'est que c'est des parcs qui utiles pour en pile là yo par exemple à Saint-Thérèse qui utile communauté li ici hein donc qui connaît un championnat national qui joue là-dedans. Alors différence là c'est que c'est des parcs sportifs yo qui utile communauté yo. Donc et pratiquement je suis sûr et certain parcs sportifs yo pas prend et stade alors pas prend un mois un an pour réaliser donc les quantités d'argent extrêmement haut donc qui différent par rapport avec parc sportif. Alors nous même nous là nous pas venir faire nous pas venir justifier les moyens sans nous pas rien faire yo n'a permettre ou connait vivre en réalité parc Saint-Jean qui réalisé surtout dans Gressier. Donc on a pral regarder, nous pral voir les détails, n'a entrer, n'a connait quantité moun qu'il est capable prendre et parler avec des moun qui dans espace là. Une façon pour ou même ou connait tout ça qui concerne 25 packs sportifs ça yo et connait les détails, connait exactement de quoi il en est. Pour l'histoire et pour la vérité, restez sous média ça pour toujours joindre toutes gens d'information surtout aujourd'hui nous dans cadre reportage ça non. Saint-Jean dans Gressier. Normalement ça que on a regardé là, ça c'est espace alors gradin hein, donc nous parler avec un responsable qui dit nous et normalement là il y a un championnat qui a joué grand pile monde et espace gradin yo capable prendre environ de 2000 monde et plus. Donc ça c'est gradin hein. Alors faut que me dit responsable tout yo estimé pratiquement alors il y a une raison qui fait pendant période ça pas gagné championnat et vacances genre que on dit la championnat zone quartier c'est suite avec COVID-19 là mais yo promettre avec mon resi mon qui dans entourage donc pour aller gagner activité. Alors faut que me dit utilité terrain ça li desservi communal li desservi tout monde li desservi tout haïtien yo coach là pratiquement n'a bien pour nous font pas la vel tout depuis 73 la vive de football c'est-à-dire terrain football ça li poté en pile changement donc surtout la Cali. Alors donc gradin hein chaque me dit li prend 2000 moun et plus 100 donc ça va regarder là c'est stage yo réalisé pour
les activités soit aller après mettre les finales yo remettre champion yo coupe yo. Donc là c'est espace ça qui réservé. Donc c'est comme ça ça y est surtout dans parc Saint Jean en Grécie. Gen aménagement qu'a fait dans l'espace parce que depuis le COVID-19 là l'espace ça parc là excusez et parc là pratiquement était fermé à peine donc relancé donc alors parc Saint-Vincent c'est un parc qui pas réglementaire mais pratiquement championnat national il joue la dernière et tant qu'on est là donc coach là il dit nous semaine qu'a venir là pour aller gagner et gros championnat qui a ouvert ici. On a vécu ensemble également parc Saint-Jean dans Grécier. Ça n'a vivre là, c'est la réalité. Donc on est là nous-mêmes nous on chercher réalité à pour nous chercher information pour nous dans n'importe niveau, quel que soit côté il y a et pour capable pratiquement bien imbibi vivre réellement événement. Donc on va faire sport là mais ça passe. Vous êtes jeune dans la zone Grécier, pas vrai? Donc, pratiquement, comment ça a été dans le temps et comment on sentit suite à travail ça que fait là? C'est le travail. Terrain. Bon, dans le temps, terrain était en terre, médian terre. Mais immédiatement, il vient faire là, figue terrain enlevé et puis ça a changé. Normalement, je ne suis pas entraîné sur le terrain. Mais depuis que je fais là, c'est un bon espace. Je suis entraîné sur lui, je fais bel mouvement sur lui. C'est mon zone là? Oui, mon Grécier natif. Mon Grécier natif natal. Donc avant, terrain ça, comment ça a été? Est-ce que c'était. Et qui ça a été qu'on fait sur lui? Est-ce que c'est seulement football qui est contre bien enragé? Bon, terrain, il n'y a pas de clôture et tout. Mais il y a une clôture là après. Il était venu normal, mais il n'y a pas de gagner. Et pelouse sous lui. En attendant, il était toujours quand je jouais football. Bagaille. Toujours qu'on a organisé des championnats sous lui. Mais pas souvent comme ça. Quand il y a là, ouais, depuis la terre, fin fête là. Bien souvent. Bien souvent, il organise des championnats tout le temps. Ou même en tant que jeune qui a vécu ça, vous estimez que l'État fait un bon travail? Ah ouais, pour travailler ça, je estime que c'est un bon travail, une belle bagaille pour zone. Merci beaucoup. D'accord, merci. Yeah. Comment vous concevez l'aménagement de terrain Matéli Lamotte, tout qu'on a bien fait, qui a aménagé pour nous? Bon, nous pas dit aménagement pas bon pour nous. Mais, là, au final, aménager un espace comme ça, où la gueule des bois vendus. Des bois ballants, mais pas gain entretien ou pas qu'à fête. Parce que c'est bonne volonté, nous, comité A qui fait, nous vivons dans le parc là. Mais si c'est pour l'État, zéro, parce que pas jamais, toutes les démarches nous fait pour, si on a nommé nous la donne. Ça a beaucoup jamais fait. Ça a beaucoup jamais fait. Monsieur Lopez, donc, est-ce que. Quel type de championnat qui fait là? Est-ce qu'il y a un championnat national là, qui joue là? Est-ce que c'est zone au quartier ou bien l'église même elle fait dans quelques parcs? Non, là, nous jouons ici à la première division. Nous jouons première division là. La fédération qu'on voit équipe première division vient jouer là. Parce que bien quoi, Tigou a été en sanction, c'est là joué. Et équipe deuxième division tout. On joue. Nous avons une équipe 3e division
qui joue là. Après ça, elle fait plus gros, pour me dire ça, plus gros championnat, nous. Là, c'est le championnat interscolaire. Interscolaire, l'école dans la ville là, participe là-dedans. Nous gagnons 20 écoles dans la ville là. Participe. Qui participe là-dedans. Pour Mariani à toute zone Rikiléo. Nous gagnons 20 écoles. Je participer de nous commencer chaque année son tradition nous baille tête nous chaque année de commencer 7 février pour 18 mai ça fait tout le monde plaisir dans la commune. Oh là là, c'est une plus gros championnat qui est là, c'est scolaire souterrain là, ça la fête on vient l'école. En tout cas, merci beaucoup monsieur Lopez. Second dernier bagage au table, c'est qui ça que le dabie? Bon, ça si, dernier bagage pour me dire, c'est l'état qui prend responsabilité le terrain ben nous mêmes tout cap diriger terrain. Tout est fun fait, toutes les matchs nous fait pour essayer de nommer nous une ladan, même si tu as nommé nous une ladan. Jusqu'à présent, ça a beaucoup fait. Ça a beaucoup jamais fait. Ça a beaucoup jamais fait. Merci beaucoup. Papier sur papier. Et moi, pour remercier pour l'interview.